une fois, je remercie Avery pour ses momies explosives. Allons chercher ces fusées. Bonne idée. Les bouches qui ont médit de moi. J'ose pas imaginer ce qu'il accroche à son sapin. Je vois pas d'empreinte. On n'a pas dû prendre le même chemin que les autres. Alors on va voir si on peut les rattraper. Tiens, salut. Tiens. Donc on a tourné en rond. J'imagine. Attends, mais... C'était un des hommes d'Avery. Il devait vouloir l'empêcher de parler. On dirait que ça s'est battu dans le coin. Ouais, les hommes de Thieu contre ceux d'Avery. Excuse-moi. Salut. On dirait une clé. C'est quoi cette lettre ? Eh ben, c'est... C'est de Thieu pour ces hommes. On peut servir de cette clé pour sortir. Bonne nouvelle. Il y a des sortes de symboles derrière. Allez, faut trouver la serrure. Oh non. Oh merde. Tout va bien. Explosé, c'est ça, hein? Non? Et toi? Ce type faisait vraiment confiance à personne. Oula! Oh non, 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 non! Nate! Oula! C'est bon, ça y est. C'est fini. Quelle jolie Corée. Merci. Ouais. C'est quand même nettement moins flippant que tous ces os qui pendouillent. Je veux bien, mais ça reste flippant. Peut-être un 3 sur une échelle de 10. Moi, je dirais 4. Ah bon, 4 ? Mmh. Super, voilà encore un de ces pièges. Et cette fois, pas de traces pour nous guider.
Tu m'as pas dit qu'il y avait des symboles sur cette lettre ? Ah mais si. Ce sont les mêmes symboles que sur ces poteaux. Tu as expliqué à ces hommes comment passer les pièges.